Bonjour à tous, bonjour à tous les amis, c'est AventureMon, toujours prêt, qui vous présente l'épisode final sur les jeunes détectives. Et oui, l'épisode final c'est aujourd'hui, donc finalement, il n'y aura pas un épisode de plus parce que voilà, hein, j'ai constaté qu'on arrive à la fin du jeu, donc l'épisode 10, c'est l'épisode final aujourd'hui. Donc la dernière fois, nous vont commencer l'enquête sur le directeur Mark, le directeur qui enseignait à notre héros Florentine 2. Il a bien sûr, entre parenthèses parce qu'elle est décédée, et elle a enseigné de devenir des vrais détectives, avoir tous les camarades de Florentin mettent une enquête et on a été suspectés plusieurs fois. Donc on va aller retourner à l'école des détectives pour aller jeter un coup d'œil dans les documentations. Alors c'est parti. Oups. Alors, c'est parti. J'aime bien la ville que j'ai construite, hein. Ouais, tous les trucs là, il y a certains trucs que vous avez dû reconnaître avec. Oups, j'aurais pas appuyé sur ce bouton alors qu'on a déjà fait le début de let's play. Bon. Encore une erreur de ma part. J'ai encore appuyé encore sur le mauvais truc où est-ce qu'il y avait le bouton de la porte. C'est à cause de la fatigue avec les fêtes de fin avec les fêtes de nouvelle. Mais bon, c'est crevant. Ah voilà Jimmy. Viens manger Florentin. Ah Jimmy, que fais-tu ici? Samuel m'a téléphoné, m'a raconté ce qui est arrivé à votre directeur. Je suis navré que ton directeur soit décédé de cette façon. Je peux dire, tout le monde l'a pressé, hein. Difficile à dire. Je me suis dit que j'ai trouvé des choses intéressantes dans la salle de documentation. Le souci, c'est que je n'arrive pas à ouvrir cette commode. Laisse-moi faire, Hachimé. J'ai la clé pour pouvoir l'ouvrir. D'accord, vas-y. Voilà, c'est ouvert. Super, voyons voir ce qu'il y a dedans. Incroyable, tous les dossiers des élèves sont là. Xavier avait raison, la réponse se trouve pour trouver coupable est sûrement là-dedans. Ça va nous prendre un temps fou pour tous la regarder. Oh non, je n'ai besoin que des dossiers des garçons, car le coupable est un garçon. Ah, on te considère comme si tu meurs de ton directeur? Oui. Ah, te voilà dans de beaux draps. Bah ouais, hein. On n'a pas de temps à perdre. On doit tous les regarder avant que le coupable ne s'en prenne à quelqu'un d'autre. Je suis d'accord. Alors, on commence pour lequel? J'aimerais bien regarder le dossier de Florentin, moi. Alors, le mien. Voilà. Alors, Florentin, Argenté, 11 ans, partenaire d'Agnement de 10 ans, c'est un garçon. La naissance, 12 décembre 2000, le groupe sanguin A+, fait 1m38 et fait 1,45 kg. Action interdite? Oh, ils ont une action interdite, les élèves. Tuer quelqu'un? Sinastrologie Sagittaire. L'animal préféré, le chat, élevé par sa grand-mère. Oh, il manque des données sur les mains, je pense. Il manque les données sur tes mains, Florentin. Je l'ai vu, mais mes mains sont de taille moyenne, comme la taille des dossiers. Donc, si on récapitule, il y a trois suspects, Dani, Samy et Esteban. Oui, mais Esteban est trop petit pour attraper le coup du directeur. Il n'aurait pas pu le tuer. C'est vrai, vous comparez sa taille, il est petit, hein. Donc il reste que Samy et Dani. Dani ne connaît pas très bien le directeur. Et s'il l'aurait tué, il serait mort de chagrin. Ah. Alors le coupable est... Ouais, forcément. Florentin est parti rejoindre les autres. Il est temps pour tous de découvrir le coupable. Donc on va partir rejoindre les autres. Donc tout le monde est là. Nous allons débattre sur le meurtre du nom du coupable, alors soyez attentifs. Vous tous, excepté Florentin, vous êtes allés à l'école pour prendre des nouvelles du directeur. Or, le directeur a été tué bien avant votre venue. Il semble que logique que le coupable a tué votre directeur pour une raison de fin d'études, c'est-à-dire la fin de votre examen final. Le coupable voulait aussi à tout prix que Florentin soit accusé à sa place. Car il ne l'appréciait plus. Le coupable est un garçon de votre classe qui a des petites mains qui vous laisse venger le directeur et faire accuser Florentin à sa place. Bon, oui, bon, ça, on a compris. Samy, tu es l'assassin du directeur. Moi?
Mais je n'aurais jamais... Mais jamais tu es directeur pour avoir une place d'examen en fin d'attitude à cause de Florentin. Encore moins. Et accusé Florentin à ma place, encore moins. Alors montre-nous tes mains. Hein? Tu as dit que tu n'étais pas copain, alors prouve-le. En nous montrant tes mains. Samy, pardonne-moi Lilou, mais... Oula! Ah! Lilou! Non! C'est pas vrai! Oh non! Samy, pourquoi? Ah! C'était pour moi et mon avenir! Oh, il a filé! Oh là là, mince! Oh! Une minute, les amis, je règle ce petit problème. Où ma souris encore? Attendez, les amis, parce que là, j'ai un gros souci avec ça. C'est mes problèmes. Ils n'arrêtent pas de me faire de plein de pubs d'annonces sur mon ordinateur et c'est casse-pied. J'ai perdu le pot de Lilou. Hémorragie au niveau de l'estomac. M'a trouvé des serviettes propres et vite. Oui. Florent, t'en vas avec Jimmy. Il crée attraper ses Miro qui quitte la ville. Ouais, mais ça, on a compris. Je vais l'attraper. D'accord. Attends, je t'accompagne. Hein? Moi aussi, je vais t'aider, Florentin. Mais. Hors de question que vous allez tous les trois. Moi aussi, je viens. Je viens aussi. Et je vais venir aussi. Attendez, je viens avec vous. Que faire? Choisissez quatre personnes pour le combat final. Oh, bien sûr. Alors, Esteban. Merci, Florentin, t'es un vrai ami. Esteban rejoint la bataille. Qui d'autre? Noémie. Cool, merci. Noémie rejoint la bataille. Qui d'autre? Ok, je viens, merci. Xavier rejoint la bataille. Qui d'autre? Merci, en route. Pardon, je réfléchissais juste à un truc. Vraiment, merci. Anna rejoint la bataille. Bien, en route, les amis. Arrête ton Samy, une bonne fois pour toutes. Hajime et Yik viennent avec vous. Voilà. Trouvez Samy avant qu'il ne quitte la ville. Vous avez 5 minutes. Bon, ça va, oui. Donc, il faut chercher Samy dans la ville. Mais apparemment, ça va être pas chose facile. Donc, il faut que je le cherche. Donc, forcément, il ne se cache dans aucune des maisons, mais il faut regarder dans les moindres détails. Ok. Après de la fontaine. Ah. Il est là. On te tient coupable. Je n'ai pas le temps de parler avec toi, assassin. Approche. Oh là là, je suis pas un assassin, moi. Vous êtes tous coupables de ça. Dis donc, il nous en veut. Mais c'est lui coupable en plus, hein. Et ça y est, les amis, voici le combat final. Donc, on est obligé d'affronter ça. Mais pour l'obliger à l'arrêter. Chose qui va pas être facile. En plus, qu'ils nous accusent tous, hein. Non, mais franchement. Oh oui, vous me demandez pourquoi est-ce que Samy a tué le directeur. Petite parenthèse qui n'est pas dans le jeu, il a fait ça tout simplement parce qu'il voulait être libre, mais en même temps, encore autre parenthèse, c'est parce que aussi, depuis le départ, il détestait tout le monde, et en particulier Florentin. Mais il ne l'a jamais dit. Oh, il utilise à chaque fois de méditation, c'est embêtant. Minute, les amis, je baisse un petit peu le son parce que sinon ça va vous casser les oreilles. En plus, c'est une très bonne musique de Final Fantasy XV hein, sur PlayStation 4 que j'ai pris. Ah, je suis même pas enrhumée. Mais en plus, c'est la grosse épidémie de la grippe, là, vous avez dû constater, hein. On a une grosse épidémie de grippe dans toutes les régions de France, c'est mis à part la Corse qui est en rouge, mais dans toutes les régions de France, c'est la grosse grippe. Hein. Alors, si vous habitez à Paris, protégez-vous bien.
Embêtant. Oh, mais embêtant d'utiliser méditation. Bah, y'a rien de magie. Bon, on va te briser ça. Je vais briser l'armure. Encore? Je vais l'obliger à ne plus bouger, hein. Les armes. Voilà, ça ne peut plus bouger. Maintenant, mes armures. Ouais, mais il va pas rester longtemps. Tac, fait quand même de sacrés dégâts. Vraiment, il a utilisé méditation. On vient à la normale. Très bien. Mais je vais la redescendre. Donc, ça ne peut plus bouger. Allez! Ah là là, c'est dur de le battre, hein, les amis. Il est costaud! Et il m'énerve, et tu lisais ça. Non, mais il est embêtant, hein, d'utiliser méditation. Ça va être super long, les gars. Hein. Ça va être super long, les amis, à le battre. Hein. S'il utilise tout le temps méditation. Faut que je remonte mes points techniques parce que si je veux faire tac à nouveau plusieurs fois, il faut que je les augmente. Et j'ai plus assez pour que Xavier puisse faire briser mes armures. Donc il va falloir se débrouiller. Ah, c'est super embêtant ça. J'ai une idée, je vais augmenter ma propre attaque. Voilà. Je vais les tous mettre à fond, comme ça on sera moins embêté. Oups. Oui, yes, j'ai gagné. Ouh, il était long, mais je l'ai battu. Et il y a des gens qui ont quand même plein de niveaux avec tout ça et de nouvelles techniques. Oh, ça m'y fait arrêter, envoyé en prison. L'école des détectives fut détruite 2 jours après. Lilou s'est remise de ses blessures et la nouvelle partenaire de Florent. Et de nouveau, la nouvelle partenaire de Florentin. Wow, génial! Lilou est devenue notre nouvelle partenaire. Alchimie X mis sont rentrés chez eux. Les duos de les duos d'école sont tous retournés à Avril avec Hugo. Regardez, ouais. Hé! Hey, tu m'entends? Hein? Le team détective est enfin là. Hein? Le team détective, à présent le monde pour raconter sur vous et votre agence. À suivre. Eh oui, parce qu'il y a une suite après. Voulez-vous accéder aux histoires bonus? Non, parce que je ne les ai pas finies. Oui, oui. Oui, oui, parce que j'avais des histoires bonus à vous montrer, mais je ne les ai pas finies. Non. Et voilà les amis, c'est ainsi que conclut les jeux détectives, le let's play qui était durant toutes les vacances.
Donc, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Moi, personnel, moi, j'ai vraiment apprécié de le faire pendant les vacances parce que ça me libère un petit peu mon agenda. Mais bon, là, maintenant, il n'y a plus que d'un gars dans le collège qui est programmé pour la liste pendant 15 jours. Alors, si vous voulez les histoires bonus, il n'y a pas de pro. Il n'y a pas de problème, on n'avait qu'à me dire ça dans les commentaires ou sur mon adresse email. Donc, c'est bien sûr, c'est aventuremode@gmail.com ou vous mettez un commentaire. Bien sûr, moi, il faut que je les vérifie si c'est bien pro. Un peu du truc, du let's play. Donc voilà. Donc c'est ainsi que conclut ce let's play, les amis. On va se retrouver pour les Jeunes Détectives 2. Mais je pense que ce sera peut-être pour plus tard. Parce que déjà, ce qui est déjà prévu pour juillet, c'est déjà les Héros du Futur 2. Donc ça, je verrai après. Mais si vous êtes d'accord pour que je fasse les Héros du Futur 2, n'hésitez pas à le dire. Donc voilà, c'est ainsi que conclut cette vidéo, les amis. Je vais dire ça plein de fois, mais bon, c'est pas grave. À gauche, vous retrouverez la playlist. À droite, je vous mettrai bien sûr un petit truc de subjection. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Ciao, bye bye, et à bientôt pour un prochain jeu pixelisé. Ciao!